Et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. On passe maintenant à l'exercice au sol. Et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Ça fait du bien un téléviseur qui est allégé de 47% de son poids. C'est vraiment avec la honte au visage que je vous accueille sur ma chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PepeWorld pour le test extrêmement en retard du téléviseur OLED LG C2. Alors je vous présente mes excuses. Parce qu'en effet, ce produit, le truc qui va vous faire bisquer, rager et tout ce que vous voulez, c'est que ce produit est là depuis un mois et demi. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, je suis parti à l'étranger, à New York, machin, j'ai fait des reportages. Le LG G2 est arrivé avant le C2 pour nous en pré-presse. Il y a eu après les QD OLED qui ont débarqué et ça a pris du temps. Et lui, il est resté là, dans son coin, en attendant que je m'occupe de lui comme un malheur. Ce sont des larmes qui coulaient, les miennes aussi. Hein. Dans tous les cas, je vais essayer de réparer mon retard. Voici le test. Du LG C2. Alors, au menu de la vidéo, je vais d'abord essayer de faire beaucoup plus court que les tests des QDOLED parce que les QDOLED c'est des nouveaux produits donc j'y suis à la fond. Là, c'est une évolution de gamme. Hein. Le C9, le C10, le C1, puis maintenant le C2. Je vais faire donc le descriptif de ce produit et surtout le comparer par rapport au C1. Qu'est-ce qu'ils ont changé Qu'est-ce qu'ils ont fait évoluer C'est mieux C'est moins bien On va passer ça au crible. Après, essayer sur le terrain de la bestiole en vidéo avec des mires et tout. Je vais être extrêmement clair sur ce que je ressens, ce que je vis. Et après, le maître des sons. Va arriver, on va passer quelques minutes avec Sylvain qui lui a mesuré le produit et a comparé ce produit avec ses concurrents, avec le précédent. Et là, ça va être super intéressant. Et puis la vidéo elle est chapitrée, tant comme ça vous passez d'un chapitre à l'autre. Il y aura les plus et les moins. Une petite conclusion pour faire bien, et si j'ai le temps, je vous montre des bonus en même temps. Comme ça, on aura une sorte de spectacle complet que j'espère ne pas faire durer 1h15 comme la vidéo euh, sur le Samsung. Si vous êtes prêts, on y va. On va commencer par le descriptif de ce produit. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au C1, qui était déjà une bête de compétition. Hein. Vous avez le test qui traîne par là. Que moi, j'avais adoré le C1, ça se trouve... Euh la gamme C chez les fabricants, c'est vraiment la gamme Superstar, hein, parce qu'ils sont très très célèbres, les C10, C1 et maintenant le C2. Mais là, c'est Superstar de chez Superstar, avec des diagonales d'écran qui commencent à 42 pouces. On commence en 42 pour aller vers le 83 pouces, donc un big one, un mur animé. Là, on teste le 55 pouces. Le modèle coûte environ de 1800 euros. Et on peut attaquer plus petit en 42 pouces. Peut-être pour le gaming, qui sait? Ma séquence favorite, la totale immersion à mes côtés pour découvrir un téléviseur. Alors là, le truc, c'est que vous avez le droit de vous dire, je me suis dit également hein, quand j'ai eu le produit, bon, C1 à C2, c'est un chiffre, hein. qu'est-ce qu'ils ont bien pu changer d'une génération à l'autre comme ça en un an On va commencer par le pied, un pied tout nouveau tout joli, euh, qui est vraiment très esthétique, en quatre vis il est placé hein, le pied, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième truc, <laughs> je vais vous parler de quelque chose, je ne parle pas souvent de ça, du bezel. Alors le bezel, c'est ce qui encadre la dalle, vous voyez le, la, le bord noir ici, c'est pour le bezel. Alors ils avaient un bezel, je ne sais pas comment, un encadrement le mec, un encadrement de 10 mm, c'est passé à 6 mm, ce qui fait que quand on regarde justement l'image, qui est ici, bah quand, on, quand on est là, on a l'impression que c'est une piscine à débordement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les, les grosses barres qui encadrent justement l'image dans la dalle. C'est vraiment maintenant 6 mm, c'est infime. Du coup, c'est très très beau et ça flotte. Mais ce qui flotte également, c'est le poids du téléviseur. Pour te comprendre... Direction l'arrière du produit, comme c'est beau, sa surface immaculée, c'est tout nouveau. C'est une nouvelle structure en fibre composite. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que la structure qui a été modifiée, c'est également l'électronique. Tout ce qui est là-dedans, on a revisité la façon de placer les composants, de raccourcir les distances. Du coup, figurez-vous, messieurs, dames, que ce produit... Ici en 55 pouces, n'est pas 10%, n'est pas 20%, n'est pas 30%, n'est pas 40% plus léger que le modèle C1. Il est 50% plus léger que le C1 dans la même diagonale. Donc ils sont allégés de tous les côtés. En plus, le produit peut bien sûr se positionner avec son pied hein, ou bien être fixé au mur. Hein. Vous avez fixation euh, pour être mis au mur. Donc il y a quand même de la nouveauté. Le pied, le côté allégé, le bezel qui est ici plus fin, donc qui est passé à 6 mm. Donc on a déjà des nouveautés qui sont cosmétiques et pas que, qui sont également écologiques puisque la fibre composite, c'est une fibre recyclée ici à l'arrière. Ils ont donc enlevé des composants, des trucs qui étaient peut-être inutiles, une façon de souder. Je sais pas, je ne sais pas, mais le résultat est là, c'est que j'avais jamais vu de ma carrière, d'une génération à une autre, un produit qui perd 50% de son poids. C'est quand même assez ouf, non? On va parler un petit peu de l'électronique et de la dalle. La dalle qui équipe le LG C2 pour la première fois dans l'histoire de LG, un modèle C, a enfin la dalle IVO, alors ce qu'on appelle LG Display EX. Alors l'avantage de la dalle IVO par rapport au modèle C1, par exemple, c'est que officiellement elle offrirait 20% de luminosité en plus. Alors c'est un modèle qui est OLED, hein, donc White OLED. Alors faut savoir également, parce que je vais résumer un petit peu le produit avant de continuer, c'est un produit qui est donc Ultra HD. 4K, avec du HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, mais il n'y a pas de HDR10 ⁇ Et derrière la dalle, il y a bien sûr le professeur. Et derrière la dalle, il y a le processeur. Alpha 9, génération 5 qui apporte des petites choses en plus parce que justement, comme le processeur C qui a la dalle Ivo, donc la dalle LG Display EX à bord, il y a un nouveau processing pour booster les l'énosité pour que ça tienne bien derrière. faut savoir qu'à mon avis, on n'aura pas les performances du LG G2. Pourquoi Parce que le LG G2, enfin le modèle Galerie, vous avez le, le test ici, le LG G2 a la dalle Ivo EX avec en plus un système de refroidissement thermique avec un mapping et il n'y a pas ça sur celui-ci. Il fallait bien qu'il y ait une différence entre les deux. Ils n'avaient pas tout sur le c2 et qu'est-ce qu'ils font de leur g2 ils font un collier de nouilles ou un truc comme ça donc voilà à mon avis c'est un petit peu moins lumineux mais du coup ils ont un algo pour booster la luminosité quand même on continue le jeu des différences entre le C1 et le C2. Donc, en effet, le C2, la dalle Ivo, avec en plus l'arrivée de WebOS 22. Alors, WebOS 22, ce n'est pas propre au C2. Hein, c'est également sur le G2. Donc, c'est WebOS pour l'année en cours. Malheureusement, ce n'est pas rétroactif euh, sur les modèles précédents. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça chez Samsung. Chez LG, c'est plusieurs marques. Donc, WebOS 22. On avait parlé dans le test du LG G2. Il y a pas mal de petites nouveautés, dont la personnalisation. C'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir 10 profils entièrement différents sur le produit. Et dans ce cas-là, choisir avoir des recommandations par rapport à son profil, pouvoir faire des trucs avec 10 profils possibles. Et également un mode Always On, Donc vous avez les images à l'écran actuellement, on aime, on n'aime pas, c'est-à-dire que le téléviseur n'est pas complètement éteint. Il y a toujours à un moment donné, il peut avoir un affichage qui bouge hein, de tous les côtés, où on peut l'éteindre également, garder les micros ouverts et le rallumer à la voix pour qu'il fasse quelque chose. Globalement, WebOS 22 est un peu plus rapide que WebOS l'année dernière, avec en plus toujours une interface magnifique et cette télécommande qui est toujours pas rétroéclairée, mais qui est géniale. Hein. Donc moi j'adore naviguer dans WebOS, je trouve que c'est rapide et il y a toujours un menu que j'adore, c'est un menu tableau de bord. Je l'adore ce menu parce qu'il résume pas mal les choses. Où on en est? Pourquoi? Comment? À quelle heure? Vous avez le tableau de bord complet avec mon lecteur du Blu-ray qui est ici, live antenne, le salon, l'ampli audio vidéo. Si je veux en même temps mettre Airplay, c'est possible. Le serveur qui est ici, donc l'ampli Denon qui est donc 3700 qui est intégré à tout, à tout mon système. J'adore ce tableau de bord parce que tout est extrêmement clair. On sait vraiment où sont les produits. Mais là, il va quand même plus vite et il y a toujours toutes ces possibilités qu'on a avec Netflix, Rakuten, Canal, Disney. Ça met du temps d'avoir Disney et Canal. Mais enfin, c'est là. On a vraiment un grand éventail, y compris Twitch, on en parlait tout à l'heure, y compris euh, chez forsna parce que n'oublions pas une chose, mes amis. Et là, je pose la télécommande. Je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est à la base un super modèle gaming, comme toute la gamme. C'est du délire. Alors les informations sur le gaming sont les suivantes. Ce téléviseur, donc le C2, comme plusieurs modèles de la gamme, est compatible Ultra HD. 4K, 120 images par seconde en gaming, y compris en gaming, 120 images par seconde Dolby Vision. C'est à mon avis les seuls au monde à avoir du Dolby Vision en 120 images par seconde. Le problème n'est pas que ça serve à quelque chose ou pas, qu'il est léger ou pas, le problème c'est de se prémunir sur l'avenir parce que c'est toujours facile de dire oui bah il y en a pas encore peut-être mais si vous achetez un téléviseur et vous vous dites dans un an ah bah oui mais si j'avais su j'aurais pris un téléviseur qui avait le Dolby Vision en 120 images par seconde en gaming voilà l'avantage de LG pour le gaming c'est tout simple 4 ports HDMI 2.1 plein pot en 48 gigas donc ils ont le panel complet c'est-à-dire qu'ils bossent avec tout le monde, ils font tout. Donc pour les gamers, c'est quand même un outil absolument étonnant. On verra tout à l'heure pour la latence. Si vous êtes gamer, comme vous voyez actuellement à l'image, vous pouvez directement brancher votre souris, votre clavier et jouer directement en cloud gaming avec le téléviseur, sans aucun PC, sans aucune console. C'est direct, c'est fait pour. Il y a peut-être une latence ou un truc comme ça par rapport à un peu HDMI, mais les progrès sont constants sur le cloud gaming. Pour les gamers, sachez que l'optimiseur de jeu est parfaitement désactivable. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas l'utiliser, vous l'utilisez pas. Mais si vous l'utilisez, en 2022, il y a des nouveaux modes, dont un mode qui est très important, c'est un mode de sport, qui assure une clarté, une fluidité, sans sacrifier un ou l'autre. Il y a un mode pièce sombre qui ajuste le téléviseur pour éviter la fatigue oculaire, sachant que le téléviseur est cloud gaming, c'est-à-dire qu'il a GeForce Now, il a Stadia, donc on est quelquefois censé juste lui mettre comme ça une souris et un clavier, être assez proche du téléviseur. Faudrait essayer d'éviter un peu la fatigue oculaire et il y a des modes à l'intérieur de l'optimiseur de jeu pour le faire. Je vais réitérer mes propos, les propos que j'avais dit concernant le LG G2. Il y a un menu d'enfer pour régler le produit. Vous avez tout ce qu'il faut, même trop de tous les côtés. Vous voyez apparaître actuellement à l'écran tous les réglages possibles. On a vraiment de tous les côtés. Il y a à chaque fois un petit texte en français qui permet justement de, de se rattraper dans le cas où on ne sait pas ce qu'on qu va faire avant d'appuyer comme ça. Il y a un petit texte qui dit attention si vous faites ça, on peut toujours retomber sur ses pieds. Il y a un mode de filmmaker qui est d'abord. Il y a des pré-réglages de tous les côtés. C'est un téléviseur OLED. Donc, il y a des modes anti-marquage. Vous les voyez apparaître actuellement. Et à ce propos, je voulais vous dire que j'avais quand même commis une magnifique erreur dans le test du téléviseur QD OLED Samsung. Mais un pas, mais un à maxima à culpa. Parce que je vous ai parlé d'un mode sur le téléviseur Samsung qui déplaçait l'image intégralement. J'étais là, oh là là. Mais ça existe ailleurs, y compris là-dessus. Mais par contre, ce que j'avais vu sur le Samsung, c'est que le déplacement était vraiment très très large avec uh, carrément une partie qui, qui venait griser ici. Mais là, ça existe également. Mais pas de cette façon là. Mais en effet, ce déplacement d'image ou bien une Gestion avec un logo, c'est-à-dire si vous avez un logo qui reste allumé longtemps et vous dites, oh là là, c'est le logo qui va marquer, hein c'est le logo qui va marquer, et bien dans ce cas-là, l'électronique va baisser la luminosité ici. On a plusieurs modes pour baisser beaucoup, passionnément, à la folie. Donc, la protection de la dalle est assurée par cette électronique LG, comme on la retrouve dans d'autres marques, avec Sony, avec Philips, ainsi qu'avec le QDOLED de Samsung, messieurs-dames, c'est pas rien de le dire. Et côté audio, il n'y a pas beaucoup d'avancées, ça reste tout à fait traditionnel, puisqu'on garde deux haut-parleurs avec deux caissons graves. On a deux fois 10 watts plus 20 watts. De grave, ça fonctionne donc en 2.2. On a une virtualisation possible en 7.1.2 canaux. On verra ça tout à l'heure avec une écoute et un test en binaural. Il y a plein de modes qui apparaissent à l'écran. Le produit est compatible avec tous les Dolby, Dolby Digital, Dolby 3 HD, le Dolby Atmos avec un mode particulier de Dolby Atmos avec une virtualisation via les haut-parleurs qui sont ici. On peut également appérer à ce produit casque ou bien des enceintes surround en Bluetooth pour avoir comme ça un son surround appéré directement. C'est très simple et puis c'est très très pratique. Il y a tous les modes qui apparaissent actuellement à l'écran donc c'est top. Évidemment et malheureusement pour les gens qui seraient intéressés, le téléviseur n'a pas de décodeur DTS, au même titre que Samsung actuellement, il n'y a plus de décodeur DTS sur les téléviseurs dans les gammes 2021 et 2022, je crois. Et je n'ai pas personnellement de nouvelles sur l'arrivée des décodeurs DTS ces marques-là. Dans tous les cas, Sony. Fait des téléviseurs avec un décodeur DTS parce que Sony travaille avec IMAX. et a le Bravia Core, le Bravia Core étant DTS. Pour moi, je n'arrive pas, je n'arrive pas moi à connaître l'avenir de DTS concernant les téléviseurs. Je ne parle pas des Blu-ray ou de... non pour les téléviseurs. J'ai du mal à savoir où on va avec le DTS. Je n'ai pas les infos qui permettent de vous donner maintenant une réponse ferme. Alors après, il y a une petite rubrique que j'aime bien, ma rubrique en vrac. Ce moment où je rassemble des petites choses comme ça pour vous informer de ce qu'il y a su. Donc en vrac, vous avez Alexa à bord, Google Assistant, AirPlay 2. Chromecast, il n'y a pas Google Cast, un hein, Chromecast et HomeKit, donc vraiment le produit est ouvert d'esprit, il est là, il s'intègre à votre écosystème, il s'intègre autour de votre réseau, de votre réseau Internet, donc on peut le mettre en réseau très facilement, tout est rapide, il y a plein d'indications à l'écran, tu vas très rapidement, c'est bon, lui il te dit où tu en es. Le truc c'est qu'on n'est jamais paumé parce qu'il y a toujours en effet des sécurités avec les menus, ça c'est bien joli, mais sur le terrain ça vaut quoi Je vais commencer par vous dire ce que j'en pense parce que je l'ai visionné, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec. On fera une captation audio binaural. Après, et on ira voir Sylvain qui lui a les clés, justement des chiffres pour savoir si vraiment il y a un bon en avant ou bien si. C'est un plaisir d'être avec vous, même si je sais que j'ai beaucoup de retard, c'est oh là là, je suis pas à l'aise avec ça. Hein. Donc, euh, vous me connaissez, ou peut-être pas, euh, j'ai une longue histoire avec euh, les modèles LGC. Parce que j'ai eu moi un C10 assez longtemps, j'ai eu un C1 assez longtemps, et j'ai le C2 maintenant depuis un mois et demi ici, donc je le regarde, je, je m'abreuve d'images avec l'Apple TV, avec des Blu-ray disques, avec des mirs, des trucs que je connais, pour essayer de découvrir ce qui pourrait être différent par rapport notamment au C1. Alors on va commencer avec place aux rêve, regardez les images qui vont arriver actuellement à l'écran, en effet c'est le rendu du noir ça reste toujours aussi impressionnant. Encore, à nouveau, ne vous fiez pas à ce que vous voyez ici. Il y a une rampe d'éclairage de ouf qui est en train de projeter pour m'éclairer de tous les côtés. Donc, en effet, il y a, il y a la dalle qui est réfléchissante. On ne va pas se le cacher, ça sera dans les moins. On se voit quand même un petit peu dedans. Hein. Mais globalement, le rendu du noir dans le noir, c'est vraiment étonnant. Regardez cette profondeur, regardez les points blancs qui apparaissent comme ça sur la mire avec, avec tous, les, tous les points qui sont encore en mouvement. C'est très compliqué sans qu'il y ait de halo derrière on a un rendu du noir qui est incroyablement présent. C'est gigantesque. Là, vraiment, c'est extrêmement profond. Ce que je dis toujours avec le LED, hein, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est ça. Hein. Deuxième truc, oh, ça tombe bien, est-ce que la luminosité est franchement plus élevée qu'avec le C1 Alors, de tout ce que j'ai testé, il y a un gap. Mais il... je, je ne connais pas encore les résultats de Sylvain. Mais le gap, il ne doit pas être gigantesque. Mais on sent... Que le produit est plus lumineux que le C1, mais c'est pas plus lumineux comme ça. Hein. Surtout pas de panique, parce qu'à chaque fois que je vous dis des trucs comme ça, moi j'ai la trouille. J'ai la trouille parce que je vous connais. Vous êtes ma communauté, je vous aime et je, je lis tout ce que vous dites. Et quand je commence à dire c'est mieux, vous regardez vos téléviseurs. « Oh, j'ai le C1 <laughs> J'ai le C1 Donc, comme j'ai le C1, ah, bah, pépé a dit y avait, c'était un peu mieux et je sens que ça, ça trempe des genoux et moi, je ne veux pas de ça. » Parce qu'on est sur une ligne de produit qui est en évolution. On n'est pas en train de vous dire, enfin, je ne suis pas en train de vous dire « Oh là là, ça y est, il y a la dalle Ivo. » Ça veut dire que d'un côté, vous voyez rien et de l'autre côté, vous avez « Oh là là, j'en peux plus la luminosité. » Non, j'ai senti que c'était meilleur, on a dû progresser. Au niveau de la luminosité, Mais on n'est pas à mille candela. Hein. J'ai fait des tas d'essais justement avec divers types de signaux. On est avec une image qui est très très lumineuse. Là, en fin de compte, la pièce est éclairée. Elle est éclairée comme en plein jour, parce qu'en effet, il y a plein jour plus éclairage, et on voit parfaitement les choses. Hein. Donc, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. La luminosité est bonne. Ce qui m'a impressionné également, c'est la fidélité des couleurs à sortir du carton. C'est-à-dire au moment où je sors le téléviseur du carton, je le mets en route, je mets le mode filmmaker. Et je balance moi des images que je connais, c'est une mire ça. Hein. C'est une mire d'olbivision donc c'est sur un disque de test avec des images d'olbivision dont je connais ces images par cœur. Donc j'ai directement vu que c'était extrêmement fidèle sans avoir à tripoter les réglages. Donc je suppose que tout à l'heure Sylvain nous dira que le delta E euh, doit pas être mauvais en filmmaker parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement fidèle sans qu'on ait à rentrer dans les paramètres. Ça c'est important. Concernant la fluidité et le naturel de l'image, c'est quelque chose auquel je suis très très sensible. Parce qu'il truc avec des staccades, ou un truc où il y a des flous dès que ça commence à bouger, où il y a des effets de brume qui sont pas naturels, qui sont saccadés, ça, 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 ça mérisse particulièrement. Et là, en effet, sur ce modèle, comme sur le C1, hein, qu'on soit, qu soit francs entre nous, ou le C10, on a un traitement vidéo qui assure. Hein. C'est vraiment un traitement vidéo qui est travaillé. On sent au fur et à mesure des années que ça progresse au niveau de la fluidité totale. Moi, j'ai pas vu de problème d'artefact ou autre. Là, vous savez, vous voyez peut-être pas très bien avec, avec la captation au smartphone, tout ce qui est pluie. La neige ou des choses comme la brume ou des poils d'animaux. Le problème, c'est que dès que ça commence à bouger, ça devient flou. Ça dépend également de la captation. Là, c'est du 24 p, c'est travaillé, c'est un disque de démo avec avec Dolby Vision. Donc, je sais que c'est très très sensible et très très faillible. Et là, j'ai pas de problème. J'ai rien du tout. Je connais ces images par cœur. Et les images sont en mouvement, là, c'est des images fixes. Mais c'était extrêmement bien retranscrit. Il y a quelque chose qui est là, cette brume et autres. On n'a pas d'effet de saccade Je suis être tête devant. Donc, il euh, n'y a pas de problème de, de bruit MPeg. S'il n'y a pas de bruit MPeg, il n'y a pas de problème de grain S'il n'y a pas de grain tout est en effet très très bon. Alors le truc, je me suis bien sûr amusé à aller plus loin que ça, parce que là entre guillemets c'est facile. Des images de démo du 4K. Je suis parti de sources qui sont des sources DVD, donc du DVD, du Blu-ray disque 1080p que j'ai demandé au téléviseur d'upscaler. Dans ce cas, de faire travailler son petit cerveau. Et, oh là, qu'est-ce que je vais faire de cette source avec mon petit cerveau pour fabriquer des images qui sont ultra HD 4K. Ça se passe bien, très très bien. Il n'y a pas de là, il n'y a, a pas d'effet de rémanence, il n'y a pas plus de grains qu'il y en aurait sur sur le, le, le DVD à ce moment-là. On sent que c'est très respecté. Donc si on balance une bonne source sur ce téléviseur, donc je mets beaucoup de, de Blu-ray disque, l'Apple TV ou quelquefois des Blu-ray disques, c'est nickel, c'est nickel, on est sur un produit qui est très bon, qui a un processing qui est très très bon, qui a à mon avis un petit peu plus de lumière que le C1, qui a un contraste qui est étonnant comme sur le C1, qui a une colorimétrie peut-être un peu plus précise encore à sortie de carton que le C1, j'ai trouvé que c'était merveilleux dès la sortie de carton avec le mode filmmaker, c'était nickel, et je suis à nouveau... À nouveau étonné par les performances de ce téléviseur, parce que c'est une image qui est extrêmement réaliste, qui est superbe. Il y a également une grande uniformité générale des couleurs, ainsi que du blanc. Vous Voyez actuellement à l'image, parce que quand je diffuse une mire blanc, euh, je, je passe comme ça la main pour vous montrer que c'est parfaitement uniforme. C'est un truc qu'on peut pas toujours avoir avec du LCD. Là, avec de l'OLED, si c'est bien fait, s'il n'y a pas de banding, donc des bandes des trucs comme ça, c'est nickel. Là, j'ai rien vu. C'était très très propre. C'est une très belle image. C'est très convaincant. On a vraiment quelque chose qui est saisissant. Mais je vous apprends rien, parce que déjà le, 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 C, le C10, donc le CX était, était vraiment étonnant, on ne va pas se mentir. Le C1 mettait le gap au-dessus, là le C2 on reprend toutes les caractéristiques qui font cette famille de téléviseurs et on rajoute la dalle Ivo par-dessus, qui elle est censée balancer plus de lumière et on met un petit truc en plus dans le processeur pour, pour augmenter la luminosité, le contraste. Donc fatalement on a quelque chose qui est dans la lignée de cette famille avec un petit surplus d'âme qu'on va justement analyser tout à l'heure avec, avec Sylvain qui lui a les mesures qui permettront peut-être euh, de confirmer mes dires mais mes dires c'est que je suis encore devant euh, comme un gamin de 3 ans en disant oh là, oh là, oh là. j'ai vu des tas de trucs j'ai regardé The Boys avec c'était un festival quand même de couleurs de grains de machin de trucs c'était nickel c'était extrêmement beau et j'étais très très heureux de, de voir à nouveau cette image que je connais bien maintenant l'image des C mais cette fois-ci c'est le C avec l'ivo et on retrouve tout le tout tout ce qui fait cette, cette texture et voilà je vais pas vous le vendre plus parce que je suis un amoureux et et puis, je, je trouve que ce produit marche et, et marche dans les pas de ses prédécesseurs et rend hommage à ses prédécesseurs. Pendant que je parlais, vous avez pu voir plein de mires avec des couleurs, du contraste. Comme ça, vous avez pu avoir une, une idée captée avec le S22 Ultra de ce que peut donner ce téléviseur qui, en plein jour, comme ça, s'en sort pas mal. Mais il y a bien sûr toujours des petits reflets. Hein. La dalle a encore des reflets que je n'ai pas forcément trouvés sur le QD OLED de Sony et encore moins sur le cul de OLED de Samsung. Mais par contre, on a toujours un côté dans le reflet. Si on se met sur le côté, avec celui-ci aussi, un côté un petit peu violet, légèrement violet, avec également, certainement, l'anti-reflet de ce modèle. Mais c'est très, très léger. c'est la plupart des de OLED font ça, hein, quand on est sur le côté, on a une petite dominante couleur un peu violet qui apparaît, qu'on ne voit absolument pas quand je suis là. Hein. Je ne vois absolument rien. Et il faut qu'il y ait une lumière particulière pour que j'arrive à la voir. Mais c'est léger. Allez, maintenant, casque, si vous le souhaitez écouteurs, si vous le souhaitez, on va écouter justement ce que notre téléviseur en Dolby Atmos, c'est capté en 3D binaural. On se retrouve juste après pour les conclusions audio et on va voir notre Sylvain d'Amour qui lui a les mesures. Il a bossé pendant trois jours sur le téléviseur pour tout faire. cadre standard Non, pas la moto Oublie la moto La fille Je crois que c'est Artemis La Artemis La terreur des Sixers J'ai vu tous ses tutos et ses streams sur Twitch C'est elle Ce que tu veux que c'est Audio, ça donne quoi Vous avez écouté des petits extraits comme ça captés en audio 3D binaural. Alors, la puissance sonore est correcte, c'est-à-dire qu'on peut alimenter correctement une pièce qui ferait entre 25 et 30 mètres carrés sans aucun problème. Vous allez avoir donc du son, du niveau et vous allez avoir une très très belle intelligibilité et des dialogues. Les voix sont claires. Vous avez pu entendre tout à l'heure justement les voix dans l'extrait du film Ready Player One, les doigts en VF en plus, en Dolby Atmos. Les voix sont extrêmement claires, donc c'est déjà un très très bon point, comme ça, ça sera intelligible. Secondo, le rendu du grave. Alors le rendu du grave sur un produit qui est comme ça, pas très très épais, c'est toujours un peu compliqué. Et là, il y a du grave, mais c'est pas excessif. Hein. Vous avez écouté tout à l'heure les mires, vous savez les trucs qui font pou Et dans ces mires, à un moment donné, il y a le subwoofer, donc le grave. Vous avez écouté, ça, ça vibre un petit peu, ça fait un petit peu, donc c'est la limite. En effet, ce type de système qui ne pourra pas cracher beaucoup de grave. Donc malgré tout, je le redis à chaque fois, je sais que c'est un peu, un petit peu méchant de ma part. La plupart des téléviseurs délivrent un son tout à fait correct, mais ont toujours besoin d'un petit soutien. Il est vrai, quand on prend un beau téléviseur comme ça, c'est toujours bien de lui balancer une barre de son en plus ou un système. Comme ça, ça soutient bien le truc. Donc, le grave, il y en a un petit peu. Les effets. Les effets, c'est assez large. Encore une fois, je peux pas vous dire que j'ai entendu des effets d'élévation ou autre, mais c'est assez ample. On a une scène sonore qui est large. Ce n'est pas le modèle le plus étonnant que j'ai entendu, je suis toujours sur des modèles qui m'ont beaucoup surpris euh, du côté de Philips, qui est souvent vendu avec une barre de son d'ailleurs, Bowers McKinsey, ou bien euh, certains modèles Panasonic, qui sont étonnants au, au niveau du son avec les cheminées, parce qu'ils mettent des cheminées derrière et tout, bon, bref. Tandis que là, on a, on a un système classique, c'est-à-dire que globalement, on a un son tout à fait correct, qui ne va pas péter la baraque, mais avec des beaux effets, quelque chose de très large sur la scène, c'est-à-dire la scène sonore est large. On peut avoir des petits effets comme ça qui permettent d'avoir une ampleur autour du spectacle. Mais encore une fois, euh, je suis désolé d'insister, messieurs, dames, si vous pouvez, vous avez, vous avez les sous-sous, achetez pour ce type de téléviseur une, une barre de son. Ça va soutenir, vous aurez plus de graves, vous aurez un subwoofer souvent à côté, ça permet d'avoir un spectacle plus, plus cohérent, entre guillemets. Mais vous aurez du son, vous aurez les dialogues très très clairs et vous aurez des effets de largeur. Voilà, sur, sur, sur le spectacle, sur les côtés. Ouais, sur les côtés voilà. On sent que ça part par là, pas par là, et en frontal avec les dialogues. Voilà, c'est correct. Voilà, c'est un, un bon niveau, c'est du niveau du C1. Du c'est hein. un bon produit en audio avec, bien sûr, la compatibilité euh, Dolby Digital, Dolby 3 HD et Dolby Atmos, messieurs-dames. <laughs> 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce Est que tu es prêt alors? Ah oui, alors oui, prêt. <laughs> Mais non, mais il respire un grand coup. Ça, y est. ça, ça va, Sylvain Ça va, Pépé bah, Très, très bien. On fait coucou à la communauté. Coucou, coucou. Alors, est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu as aujourd'hui dans cette vidéo Parce que oh, là, ce n'est pas n'importe quel produit, quand même. Là, on attaque, on va dire toujours hey, LG, LG, On attaque les produits comme iconiques hein. C10, C1, et C2. C2. Et là, le C2. Alors, bien sûr, avant qu'on qu attaque, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire, bien sûr, la chose qui intéresse les gens, c'est quoi C'est de savoir, est-ce qu'il y a un gap entre le C1 et le C2, parce que ça se trouve. Ça se trouve. Tu as passé un bon moment avec le produit Super moment, en tous les cas. Mais un cap de quoi Un cap sur la luminosité Surtout. Le pic de luminosité Oui, par exemple. Là, je te. prends le. Alors, sur ce modèle C2, en mode cinéma HDR, j'ai pu obtenir un pic de luminosité de 782 candela par mètre carré. Sur le modèle 55 pouces, on, là, on teste le 55 pouces. Quelquefois, hum, les 48 et 42, c'est peut-être pas la même chose. Ce sera pas la même chose d'ailleurs, parce qu'il y a une densité de pixels par rapport à la taille qui est plus importante, donc du coup, on ne peut pas dégager la même luminosité. Et voilà. Donc nous, 55, on a testé. Et donc, tu as obtenu un peu moins de 800. Un peu moins de 800, oui. 782, je reviens sur ce chiffre. Alors par rapport au C1, je l'avais mesuré à 725. Voilà. <laughs> J'ai rien à dire, tu vois. C en enfin, fait, les gens qui s'attendaient, genre le gap, tu vois, entre le G1, et le G2 qui est monté mmh. de 200, euh, 200 candela, bicos, euh, dalle, refroidissement, là, on est sur quelque chose qui est timidement meilleur. Ouais. C'est beau en hein, journaliste. C'est timidement meilleur. Exactement. En plein écran aussi, parce que là, c'était sur une mire qui occupe 10% de la totalité de la surface de l'écran, et donc en plein écran, on a aussi un cap qui est assez important aussi. Donc en C1, je l'avais mesuré à 120 candela par mètre carré. Et en, sur le C2, j'ai mesuré à 165 candela par mètre carré. Voilà, c est, c est, c est, ce qu'il faut dire, très important. Ça ne descend pas. <laughs> C'est déjà ça. Heureusement. C'est déjà bien. Ça monte, mais le gap, il est pas. Il est pas. le modèle. C'est pas le C2. Alors la suite des, des activités. Mon Alors cher, on revient Sylvain. en mode standard. C'est le mode de filmmaker dont on peut profiter sur le, toute la gamme LG. J'ai pu mesurer un delta moyen de 1,04, ce qui Parfait. est juste excellent, puisqu'on doit être en dessous du niveau de 3 pour que l'œil humain n'arrive pas à percevoir la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Et, et, et la temperature of the colors, c'est quoi, monsieur Sylvainx La température des couleurs en bon français. <laughs> je l'ai mesurée à 6416 Kelvin. Eh bien, c'est parfait, c'est 6005, c'est la perfection, donc l'image n'est ni trop chaude ni trop froide. Mmh, tout à fait. Le gamma a été mesuré à 2,4, donc une valeur parfaite de celle qui était attendue, dans une ambiance assez sombre. Nickel. La courbe est extrêmement simple, comme vous avez pu voir sur le graphique qui est affiché. Le contraste est considéré comme... Totalement infini. On peut pas mesurer parce que c'est infini, voilà, ça s'éteint, voilà, c'est tout. Mais tu sais, qu'avant que tu continues, parce que je ne regarde pas tellement les chiffres, je regarde pas du tout comme ça, euh, je m'attendais avant de venir, parce que je, le produit, je, hein, je l'avais déjà vu, hein. euh, avant de venir, je m'attendais à ce qu'il y en ait en effet un petit gap, mais qu'on ne soit pas sur quelque chose qui tranche. Parce que c'est comme ça que j'ai senti le, le C1, C2, même quand on me l'a présenté. Mmh. On sentait que déjà, c'était une évolution sympathiquement euh, timide. C'est ça, évolution. Je reconfirme mes valeurs, le mode de standard en cinéma, j'ai mesuré un delta E moyen de 1,81, donc osseux encore en dessous des 3, parfait. Température des couleurs moyenne de 6394 Kelvin, donc impeccable aussi. Un produit, quand on, voilà, quand on le sort du carton, il bah, n'y a pas beaucoup de choses à faire dessus. Il est globalement assez, assez, assez bien réglé, voire très bien réglé. Donc, je repasse en, sur le mode HDR, mode cinéma, qui m'a permis d'obtenir les meilleures euh, valeurs. Le delta E moyen, j'ai pu le mesurer à 0,71. C'est pas le record ben si, il égale le record de celui de l'année dernière qui était mesuré sur le 55C1 euh, et qui était à 0,71 également en mode Filmmaker. Là, le mode Filmmaker en delta E moyen, on est à 0,82. Parfait pour un pic de luminosité à 780 candélas par mètre carré. En mode Accueil Cinéma, on est à un delta E moyen de 1,22 avec un pic de luminosité de 750 candelas par mètre carré. En mode Dolby Vision Lumineux... On a un delta E moyen de 3,85, donc légèrement au-dessus de 3. C'est normal, on pousse les paramètres n'importe comment, parce que hop, on y va. Mais tu fais vachement plus de mesures qu'avant maintenant, ça y est, c'est du délire. Ben oui. Tu vas de tous les côtés. Tu m'as demandé des chiffres, je te donne ben des oui, chiffres, je vous donne des que chiffres. Quel homme, mais quel talent, Sylvain, mais quel talent. Je termine avec le mode vision, euh, Dolby Vision lumineux, pardon, avec un pic de luminosité à 780, quand par mètre carré. Le mode Dolby Vision sombre maintenant, donc environnement avec très peu de lumière dans la pièce, delta E moyen de 3,87. Il y a un pic de luminosité de 775 candelas par mètre carré. Dans le mode... Euh, le, le, le mode dégueulasse. Donne-moi le, 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 le pic lumineux dans le mode dégueulasse où on, on dit, tiens, regarde, c'est bon, mais l'image elle part un peu en vrille. Toujours en HDR, le mode vif, j'ai pu obtenir un pic de luminosité de 805 candéla par mètre carré. D'accord, le gap n'est pas énorme, mais déjà, en étant un truc vif, on, on pousse un petit peu les choses. Tout à Voilà. c'est pas le téléviseur le plus, le plus lumineux de la gamme. En effet, c'est le, le G2. Mmh -hmm. Il pas au même tarif. Hein. Non. Effectivement. On passe aux couvertures des espaces colorimétriques. Yes. Sur le REC 709, on est à 99%. Impeccable. Sur le DCI P3, on est à 99% également. Et sur le BT2020, on est à 76%. Des valeurs excellentes pour un produit grand public. La partie gaming. Alors on en est où Non, on reste sur les mêmes valeurs que l'année dernière, que le G2 également, à 12,5 millisecondes sur le mode optimiseur de jeu. Et on peut booster dans les paramètres pour descendre à 9,5 millisecondes. Pardon. Je termine pour les petites mesures, donc toujours sur l'optimiseur de jeu. Le pic de luminosité, j'ai pu l'obtenir à 750 candela par mètre carré, ce qui est tout à fait correct. Et un delta E moyen, qui est en amélioration par rapport à l'année dernière, qui est à 3,87. Et l'année dernière, il était... Il était au-dessus de 4. Au-dessus de 4. <laughs> Sachez que c'est normal, on jeu que ça, ça dépasse les 3 et autres. Ce n'est pas quelque chose qui est... Euh, mais c'est déjà pas mal, parce que là, on se rapproche du 3. Donc, euh, ça commence... Peut-être que la prochaine génération, on sera à 3, voire en dessous. Donc, non, mais ce qui est important de savoir, c'est que tout progresse. Mm -hmm. Malgré tout, c'est vrai des gaps qui sont, euh, voilà, cosmétiquement, timidement, mais tout progresse. C'est beau. Oui. On termine euh, notre petite rubrique avec la consommation. Consommation du téléviseur. Donc, sur la série Les 100, sur une moyenne euh, de 4 heures de visionnage, en fait, j'ai pu obtenir en mode cinéma une consommation de 47 watt-heure. C'est pas beaucoup, hein C'est pas beaucoup. La consommation du C1 de l'année dernière, c'était 57 watt pour exactement la même séquence. Donc, on Je descend de 10 watt Je rappelle que Sylvain a toujours les mêmes protocoles. Mmh. C'est ça qui est important, c'est qu'on oh là là, mais c'est toujours les mêmes. Ce même... sont les mêmes conditions. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent mille candela, ni machin, ni truc. Je m'attendais vraiment à un petit truc très timide. Ils sont sur leur lignée d'un téléviseur qui fonctionne mm -hmm. et ils continuent à, à le peaufiner Exactement. autour de ça et ouais. ils ne pas les gens. Gagner un petit peu en Gagner un petit peu. Euh... Mais oui. vous avez le C1, vous avez un très bon produit. Hein. Ah oui, complètement. Vous avez le C10, vous avez un très bon produit. Hein. Aussi. Vous avez celui-là. Ah, il est plus là. T'en as <laughs> un, toi, ici, à toi, qui est un excellent il produit. Il commence à dater un petit peu, oui, mais, mais... Qui, qui reste un excellent produit aussi. Qui est le, le E9 Voilà. Il fallait pas le dire. Oh, mais il l'a toujours. Mais ça, il tourne, hein? Il n'a pas marqué. Il marque pas. Non Il ne marque pas. Vous voyez bien que ça peut exister. <laughs> Sylvain, c'est un plaisir de partager. Merci en tous les cas. <laughs> et à bientôt. Voilà, tu salues un oui, petit salut. peu la communauté et on vous dit à très vite. À très vite. Les plus, le design revisité avec le bezel qui est plus fin ici. Un nouveau pied et surtout un produit parfaitement allégé. 50% de moins au niveau de son poids comparé au C1. Une gamme qui s'étend du 42 pouces au 83 pouces. Un rendu du noir étonnant. Un contraste extrêmement violent qui n'enfouit pas les détails. C'est contrasté. Il y a du noir et tout reste apparent. Les détails, colorimétrie, c'est un équilibre de folie. Le traitement vidéo, vraiment excellent. 4 pour HDMI 2.1 avec un débit de 48 giga. Tous les Dolby à bord, dont le Dolby Atmos. HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, avec le petit capteur pour s'adapter comme ça à la lumière et tout. Des performances étourdissantes, je m'en étourdis, regardez, en gaming. C'est vraiment une bête de compétition, quoi. Pour les gamers, mode VRR, LLM, Compatibilité ultra HD 4K gaming jusqu'en 120 images par seconde. Une latence quasi imperceptible. Si vous branchez le produit sur un PC pour du gaming, vous avez un mode 32 neuvième ou 21 neuvième. Cloud gaming à bord, vous n'avez plus qu'à connecter une souris ou un clavier. À ce produit, vous avez du cloud gaming avec Google Stadia ou GeForce Now. WebOS 22 est plus rapide que le WebOS l'année dernière et quelques petites fonctions en plus. Dès la sortie du carton, on le branche. Fidélité des couleurs étonnante avec le mode Filmmaker. C'est même pas la peine de faire des réglages, c'est nickel tout de suite. À bord, MiraCast, Alexa, Google Assistant, Chromecast et Airplay 2. Les possibilités liées au Bluetooth, on peut appairer les enceintes surround en Bluetooth avec le produit. Tous les modes de protection de la dalle. La barre de réglage pour le gaming tous les modes associés qui peuvent vraiment aider les gamers. Le menu hyper complet qui déborde de possibilités de réglage. Après, à vous d'appuyer sur les boutons ou pas du tout. Les wing Il n'y a pas de décodage du DTS Audio sur ce produit. Secondo, il faut quand même être à l'issue, transparent avec vous. Il n'y a pas un gap entre le C1 et le C2, on n'est pas, oh là là, mon Dieu, quelle différence extraordinaire entre un et l'autre. Non, c'est une évolution timide quand même. Hein. On, on peaufine, on change la dalle. Mais comme on a vu tout à l'heure avec Sylvain, on n'est pas sur, oh là là C'est-à-dire que si vous avez, allez à la limite, et je veux dire même un C10 que moi j'adore, un C1, vous dites pas, oh là là, mon C10, faut que je le jette, oh là là, mon C1, faut que je le jette, faut que je prenne un C2. Non. Non, vous avez une évolution euh, qui est qui est à, à l'image des évolutions actuellement dans les gammes. C'est quand même timide d'une année à l'autre en ce moment. Mais c'est un très beau produit. Ça change rien à ça. Pas de prise mini jack. Noir c'est noir. Il y a plus d'espoir. Dans le noir, tu la vois pas. C'est normal. Elle est pas rétro-éclairée. Pas de compatibilité Google Cast. Pas de HDR10+. L'audio, c'est sympa, mais avec une barre de son, c'est mieux. WebOS. Oh, je vais vous l'appuyer. là. Voilà. WebOS. N'est pas rétroactif. C'est-à-dire que vous avez WebOS 22 avec les nouveautés du 22, et puis c'est pas rétroactif sur vos téléviseurs 2021. C'est tous les ans, il y a un nouveau WebOS et on se le garde pour les gammes. Hein. Faut pas que ça aille ailleurs. Hein. Le filtre anti-reflet, on sent qu'on fait des progrès sur l'anti-reflet, mais là, je suis devant, je vois encore ma fenêtre et autres, ça peut gêner des gens qui auraient une porte-fenêtre avec du soleil et autres. C'est compliqué. C'est compliqué sur un OLED d'annihiler complètement le, le reflet. C'est pas un miroir non plus. Hein. Les QD OLED m'ont paru meilleurs de ce côté-là. Les deux que j'ai testés, mais attention, ça a fait des progrès. C'est pas, pas un miroir. Euh, Tenez-vous le pour dit parce que j'ai l'impression que non, c'est pas un miroir, mais on continue à se voir dedans. Voilà, 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 c'est la fin de cette vidéo. Alors autant vous dire que j'ai été à la fois extrêmement honteux de vous mettre ce test en ligne seulement maintenant et à la fois très heureux de l'avoir fait parce que je l'avais dans la tête, Sylvain aussi, on se disait quand est-ce qu'on allait avoir le temps de le passer, en effet après avoir passé les QD OLED, les reportages et autres, et là il est là, et ça m'a fait plaisir de le faire. Alors comme vous avez pu voir, en effet c'est pas un gap gigantesque entre le C1 et le C2, et je tenais à être clair là-dessus, parce que je sais toujours que, quelles sont les frustrations quand on regarde les tests de télé ou d'autres trucs en disant, ouais alors par exemple même avec les casques audio, j'ai le XM3 est-ce que je prends le, le Sony XM4 ou le XM5, quand j'ai un, un C1, est-ce que je prends un C2, quand j'ai un C10, c'est ce que je fais le gap. Euh, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos avec Sylvain, c'est pour essayer de, de vous dire que en effet, si vous voulez actuellement acheter un C2, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas de téléviseur, mais si vous avez un C1 et, et un C10, bah écoutez, euh, vous prendrez peut-être celui-ci quand il sera en solde euh, directement dans 6 mois ou un an. C'est un excellent produit. C'est un des meilleurs OLED que j'ai testé, hein, tout simplement. C'est toujours cette image qui est fabuleuse et pour les gamers. Par contre, pour les gamers ces produits-là, c'est vraiment du miel, quoi. C'est du miel de partout. En plus, on est paré pour l'avenir. L'idée d'avoir un, un produit comme celui-ci, je ne suis pas en train de glorifier LG. On dit, oh là là, c'est les meilleurs. Ce n'est pas ça. Par contre, en gaming, ils ont des accords. Ils ont vraiment des accords. En deux mots, hein, des accords pour vraiment faire évoluer les choses très rapidement. Ils ont été les premiers sur le Dolby Vision en 120 images par seconde. Ils ont des deals avec Xbox, Samsung aussi. Hein. Ils ont, des, ils ont des, vraiment une complicité avec Nvidia de tous les côtés. Donc, on sent qu'ils pensent aux gamers. Ils, le, ils y pensent à fond, puisque les dalles sont vraiment conçues pour ça, les électroniques aussi, ça va très très vite. Et vraiment, si vous êtes gamer, c'est vrai que cette collection de produits, donc la C ou même la G, donc, la, la version galerie, c'est du miel, quoi. Donc, euh, moi, je suis heureux de vous avoir fait ce test qui est malgré tout pas un test avec des surprises. J'aurais aimé vous, faire des, de, vous donner des surprises, vous faire des surprises en disant il y a ci, il ça, il y a ci, il ça. Mais je suis sur un, une continuité de produits, donc des choses qui avancent, qui avancent avec, avec des paliers. On monte, on monte, on change la dalle, on modifie des trucs sur WebOS. Mais on n'est pas sur tiens, voilà, ça y est, on fait table rase, on recommence. Ce n'est pas le dernier test de téléviseur avant que je prenne mes vacances d'été. Il y a un produit qui arrive avant qu'on n'a pas vu venir. Sylvain et moi. Un truc, il... ah oh, Il est là On s'est dit, mais c'est pas possible, il devait arriver au mois de septembre un truc comme ça. Et le produit est là. Donc on travaille dessus. C'est un téléviseur OLED d'une grande marque. Je fais pas... Ouais, je fais... Voilà le teasing de la mort. Et j'essaie de le mettre en ligne assez rapidement. C'est toujours assez long de faire les tests parce qu'il y a Sylvain, il y a moi. Il faut qu'on prenne le temps de regarder les produits. Et euh, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Et c'est un produit qui, moi, me fait rêver aussi. Et les premiers tests donnent des mesures délirantes de folie. C'est... Oh donc, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas. Moi, je compte prendre des vacances aux environs du 12 ou du 13 juillet. Arrêtez donc la chaîne à ce moment-là. Et plus rien, hein, pour que je dorme vraiment, que je puisse regarder. Mais regardez, Que je dorme, <laughs> que je dorme un petit peu, que je me repose, que, que je me vide la tête. Je tourne des reportages jusqu'en effet au 12 ou au 13 juillet, des trucs de ouf, de ouf. Je suis très très heureux et on va se retrouver à partir a priori du, du 20 août. Et pendant ce temps-là, on, on va tous s'aimer très fort, penser à nous tous ensemble et à la joie qu'on aura de se retrouver. Enfin, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas, mais prenez soin de vous, il n'y a que ça qui compte. Voilà, je vous fais des gros bisous et je suis très 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 heureux d'avoir fait cette vidéo sur le LGC2, vidéo la plus en retard de la chaîne. Et ouais, champion du monde, champion. Allez, des gros bisous.